Lucrezia. Why? Awake. Talk. Why did you let this happen? Silence. You. Silence! Why? Why can't these people just keep quiet? Yes. I can use this. For my next experiment. A genius! What I am here? Success here will justify previous failures. Well, look who's awake. Hold on. I'll release you. Where am I? Safe inside the WRO headquarters. I carried you back here from Edge, after you collapsed during your fight with Deep Ground. It seems like the beast inside you went a little wild back there. This happened often? Went wild? Do you mean chaos? Chaos? Your body harbors the chaos gene? Oh, so that explains your relationship with Dr. Lucrezia Crescent. Were you the product of one of her experiments? Lucrezia's experiments? I apologize. That wasn't what I meant. Wait. Lucrezia was researching chaos. Don't tell me you didn't know. Crescent, Shinra Class A scientist specializing in biotechnology. In her research thesis, The Planet's Pulse, she refers to chaos as one of the sentient xenoforms residing among us. However, the theories that she presented in her work were so abstract and complex that no one in Shinra took her seriously. I'm so sorry. Still, I heard rumors that the brilliant awaken. Are you all right? Can I see that thesis? Unfortunately, no. On top of being obscure, it was never even submitted to the Shinra database.
All I know is what I saw while going through the company's archives. Vincent! Have you recovered already? What is the status of our Keeper? His location remains unchanged since the confrontation. We can assume this is the WRO headquarters. Good. Two birds with one stone. So, Rosso the Crimson told you that Protomateria is the key to controlling Omega. Yeah. Any ideas? Soul rot of Terra Corrupt. Quelling impurity, purging the stream. To beckon forth an ultimate fate. Behold mighty chaos. Omega Squire to the lofty heavens. Where'd you... A passage from Dr. Crescent's thesis. But that's all I know. Unfortunately, I only saw a fragment of the document. However, chaos, Omega, and... all seem to be connected to Dr. Crescent in some way. There's no other explanation. I think we'll need to gather more data on her to get anywhere. What now? Painless. Go. Vincent! The enemy has breached the main gate. Hurry! Ok, bon bah comme le périphérique de capture a dit non, je sais pas ce qui s'est passé dans les cinématiques parce que je ne les ai pas vues. Mais je sais que voilà. Je sais que casser la gueule. On va en profiter. Hein. Ah oui. T'es un peu pro, d'accord. Ah, j'arrive. Une façon de courir en glissant d'un sens, c'est beau. Enfin, c'est beau, non, c'est dégueulasse. Mais bon. Voilà, vous êtes décédé. C'est pratique quand même cette magie.
La carte clé, parfait. Et la carte clé pour aller où, ça c'est une autre question. Ah, on est toujours sous l'effet du... de la queue de phoenix, hein. Ça c'est cool. Hein. Il faut une autre carte clé, sérieusement? Je me sens un petit peu abusé. On peut les baiser en passant derrière eux. Putain, quand même. Oui, comme ça, ça marche mieux du coup. Ah, il me manque toujours une carte clé, mais j'espère qu'on peut. J'imagine qu'on peut grimper là. Oui! Perfecto! Claro! Claro! Alors, on n'a pas le temps. Pardon, j'ai tué tout le monde. Mais c'était certainement pour la bonne cause. Tout va bien. Une carte clé. J'ai plus beaucoup de vie. Et ça m'angoisse un peu. Et donc elle, c'est Shera. C'est la Shera de Cid. Sérieusement? Putain. Parce que moi je connais qu'une Shera dans FF7 et c'est la Shera de... C'est la meuf de Cid, quoi. Je pensais pas qu'elle était aussi badass, je croyais qu'elle savait que faire du thé, moi. C'est pas misogyne, hein. C'est juste que dans FF7, à part faire du thé... Et réparer les arrivées d'oxygène de mes couilles de la... De je sais pas quoi là, elle sert pas à grand chose. Il remonte l'ascenseur ou pas? Non, il remonte pas. Tant pis! D'accord, donc ça c'est non. Nope. C'est embêtant. Est-ce qu'il faut redescendre et prendre l'ascenseur? Ah, vous êtes bien nombreux. Et tu vas être calmé. Tout de suite. Bleu, bleu, jaune, bleu, vert. Dans les douches. Ok, dans les douches. Est-ce qu'il y a Meryl? Presque. Mr. Valentine. C'est moi. Pas les couilles s'il y a des balles. Et une queue de phénix. J'imagine que faut suivre la lumière verte. Aïe! Meurs, enfoiré. Ok, on s'est forcément là. D'accord, pourquoi je me tourne toujours du mauvais... Ah, enculé!
presque sûr que c'était pas par là. Si c'était par là, il y a une lumière verte. Ah, l'enculé! Vous étiez deux! Attends, mais... Don't worry, I'll be fine here. But Vincent, the Svietz, Azul is still on the loose. Mais du coup, Reeve et Kate Sith, c'est pas la même personne. Eh, je comprends rien. Parce que dans FF7, on nous fait plus ou moins comprendre que c'est la même personne. Alors que là, non. Donc lui, il a dit, ok, c'est bon, on s'en fout. Enfin, j'ai pas rêvé dans FF7, voilà. Ou alors j'ai super mal compris. Mais quand même. Ah, je me sens mieux. C'est bon, je peux me casser, là. Ah, c'est pas... c'est Azul, c'est ça. C'est un elfe, quoi. C'est pas Dobby, c'est Dobé. Donc il est tout en bas. Ah, là-bas c'est on peut passer. Ici, tout à l'heure c'était rouge, maintenant c'est bleu. Donc, ça veut dire qu'on peut y aller. Hein? Je suis pas si con. Normalement. Calmez-vous. Ça c'était pour passer derrière le canon. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Bon ça. Ah ouais, mais d'accord, ok, super. Déjà, calmez-vous. Et c'est ce que j'aime bien dans le jeu, c'est son côté extrêmement porté sur la finesse. C'est hyper agréable. Je pense que c'est bon. Pour moi, c'est bon. Pour moi, ça m'a l'air bon, mais... Après, je sais pas du tout si ce que je fais, c'est bien. J'ai pas de carte. Par contre, on peut descendre, je peux descendre avec l'ascenseur, logiquement. Et une petite potion. J'ai plus de potion plus, et ça m'embête beaucoup. Ah non, fais pas le con! Je veux pas tout me retaper! Vincent perdu dans un ascenseur, quoi. Que m'arrive-t-il? C'est bon ?
peut jouer. Alors lui il est parti par là. On va acheter des potions parce que là je suis en galère. Tellement en galère que j'en ai plus. Donc acheter 2 potions plus et 4 potions. Voilà, est-ce qu'on peut optimiser un truc bien? Genre, je ne sais pas, culasse antigrave, ça a l'air stylé ça. J'aimerais bien savoir ce que ça fait. Légèrement le poids total de l'arme, ça c'est bien. Oh putain, c'est complètement stylé, il a des ailes. Ah oui, je prends. Ah oui, mais carrément. Là, ça veut rien dire, là. Là, ça veut rien dire. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ça veut rien dire. Ah, j'adore. Ah, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut rien dire. Et du coup... on va optimiser le... on va optimiser quoi? Oh là là... ah, plus de balles. 10 balles de plus, super, c'était vachement rentable. Ça va les gamins? Enfin les gamins. Ouais, ça a l'air d'aller. Il veut rien dire mon flingue. Ça veut plus rien dire. J'ai une croix dessus. Ça veut rien dire. What? Voilà. Toi tu décèdes. Je prends ça. Damned! Une carte clé. Et croix de force. Croix de force. Ouais, ça on s'en fout. Ah bon, on la voit pas la culasse antigrave, c'est nul. Alors que si je la mets là... est-ce qu'on peut avoir une arme très très ridicule? Oui. Ah bah non, en fait c'est juste le... d'accord, c'est l'espèce de truc... c'est la croix, ok. Je suis déçu. Bon, on va continuer un petit peu. Ah mais calmez-vous. Ah ça c'est très bien, faites ça chez vous les enfants. Une carte clé. Une carte clé, on dirait des cartes SD d'ailleurs. Un jukebox, ça pue hein, quand on te met un magasin comme ça juste à côté. C'est
J'aime pas trop ça. Fais gaffe, t'as un prédateur derrière toi. Ah non, c'est Chalua. Ah oui, je me disais aussi. C'était bizarre. I knew it. Shalk. I have no acquaintances in the WRO. We both changed so much. No. You haven't changed at all. Elle a des pieds immenses. Shelk, it's me. Shalua. I've been searching for you for so long. C'est un site. Don't take another step. Shelk. It doesn't matter who I am or who you are. My current mission as a deep ground soldier is all that is relevant. No, it does matter. Even though 10 years have passed, you're still Shelk, my only sister. Ten years. Has it been that long? The day they came to take me away, I was told I had potential. But those words were nothing but a precursor to a decade of suffering. They manipulated my mind until I was a shadow of my original self. The pain, the fear. For 10 years I lived in a hell far deeper than any you could imagine. But look at me. I should be 19 this year. If I don't receive my daily dose of Mako, this body wouldn't last a day. Cool. However, I don't consider myself the least bit unfortunate. Except that for so long I held on to a foolish thread of hope that someday someone would come to save me. It's time to put the past behind us. Tu vas pas la buter quand même, c'est ta sœur. Reeve to Esty. So, you are Shalua's younger sister. Excellent. Now I can terminate both of you at once. Look at her. That's the price Shalua has paid fighting Shinra for the past 10 years. She has given more than her arm. More than a perdu ses vêtements aussi. She has put her life on the line, time and time again. All to find her lost sister. More than half her organs have been reconstructed. Not a day goes by when Shalua doesn't suffer the pain of 100 souls. But still, she... Enough. I've heard enough. Stop! Ouais, court-circuit. Vincent. Use these.
Tiens, prends une super potion, Chalua. On va se taper la gamine? Enfin... Shulk! Don't worry. The bullets will only sedate her. Let Vincent handle this. J'ai lui sédaté sa race. Que la grosse mitraillette, qu'est-ce qu'il y a, salope? Ah oui. Alors oui, tu vas te calmer. Tu vas te calmer. Voilà. Tiens, les sédatifs. Tiens, prends-les, tes gurons-en. Par contre, il a du mal à se relever à chaque fois. Tiens, tu veux un Advil? C'est bon, elle est sédatée? Ouais, je l'ai bien sédatée là. Eh bien joué, Vincent, tu as frappé une gamine de 10 ans. Merci. Ah, et ben on va pouvoir se quitter là, parce que bon... C'est pas tout ça, mais on a du taf. Alors je vous fais des bisous, et des bisous, voilà. Et puis j'ai essayé de monter tout ça proprement en rajoutant les scènes qui sont peut-être manquantes. Des bisous, voilà.